Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Car Mechanic Simulator 15. Voilà, j'ai réglé un peu le son, parce qu'apparemment on m'entendait pas trop bien dans la dernière vidéo. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a une Royal Crown. Crown, je ne sais pas trop. Et on nous dit plus du tout ce qu'il faut, les pièces qu'on doit trouver. Donc on va se démerder, hein. On va déjà la mettre sur un pont. Je vais vite une fois regarder à partir du moteur, voir si on ne voit rien. Oh bah, on a déjà trouvé une bonne partie de défectueux derrière aussi. Ouais, ben celle, donc ici devant. Ah ouais, oh, c'est bon, ça se trouve. Elle se trouve assez facilement cette fois-ci, les pièces. Voilà, donc on va monter la voiture. Capot, on peut le laisser ouvert. Voilà, est-ce qu'on commence par le début? On va commencer ici devant. Je vais enlever la jante à gauche. Voilà, donc on a ici le moyeu de direction, bras de suspension inférieur, le silent block qui est là-dedans. Il a pas l'air très, c'est un petit ou un grand? Je sens que c'est un petit silent block qui est là-dedans. Il a pas l'air très bien non plus, celui-là pas du tout. Puis qu'est-ce qu'on a ici? La barre stabilisatrice avant, billet de direction intérieure, feuille, on a du dégât, hein. Voilà, hop. On va, normalement il faut enlever tout ce qui est ici devant, ouais. On va déjà enlever tout ça, on va déjà enlever les freins, la plaque, hop, faut encore enlever cette pièce là. Bon. Tac, palier. Noyau de roue avant. Voilà. Oh là là là, il faut encore qu'on enlève l'amortisseur. Ah. Ah ouais. C'est la billette. Extrémité stabilisée, ouais, c'est ça. Extérieur, tac. Maintenant on peut enlever l'amortisseur. Impeccable. Voyez, il faut encore enlever ça. Ah non, en fait c'est pas un seul bloc qui est dedans. Ça fait partie du truc. Voilà. Petite billette là. Donc on a enlevé déjà cette partie. Maintenant je pense qu'on doit aller de l'autre côté. Ouais, c'est ça. On va enlever la jante. Ça, il faudra l'enlever de toute façon. Voilà. Une billette ici, on peut la retirer comme ça. Celle-là. Ici aussi, pour ça il faut, je vais faire cette pièce là. Un silent block ici à l'avant qui n'a pas l'air en très bon état. Mais on avait celui à l'autre côté, de l'autre côté qu'on n'avait pas enlevé. Voilà. Comme ça, et je pense qu'ici c'est tout. Une fois regarder ici l'état des freins, ça a l'air bien aussi. Donc on va déjà s'occuper de ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Ah merde. Ça, oui.
Le silent block, on... ouais, d'accord. Bon, donc tout ce qui est là, déjà, on peut... n'a rien à voir. C'est dit, on a enlevé un amortisseur et il était pas cet état-là. Hop, vitre de ça. Voilà. Non, non. Mais ça, on ne voit rien. Donc, les premières pièces, on a quoi? Le bras de suspension inférieur, une biais de direction extérieure, deux biais de direction extérieure. Maillot de direction avant. Ah, oui. Voilà, on va aller voir après ça, après tout ça. Normalement, il y a déjà une partie ici. Celle-là. Ici, les biais de direction extérieure, il en faut deux. Merde, les silent blocks, est-ce que c'est deux silent blocks normales ou un grand et un petit? Non, je crois que c'est deux grands. C'est cette barre, c'est cette barre là, il me semble. On va quand même contrôler pour être sûr. Ouais, c'est ça. Donc, ça, on peut liquider. Voilà, ça, on l'a maintenant. Ça, on l'a. Ceux-là ici, on les a. Donc il nous faut encore la grande barre avant. Et ça, bras de suspension inférieure. Ok. Donc ça c'était un... Si c'est ici. Inférieur. Si c'est celui-là, il me semble. On va les contrôler. Si inférieur, c'est ça. Erreur et puis noyau de direction avant. Ah. Donc c'est bien ça. L'autre pièce, elle est ici aussi, il me semble. Ah, c'est ça. Moi, je pense. Très rassurant. Donc on va remettre nos pièces. Ah, bien sûr, remettre les nouvelles. Les autres, on les a vendues. Voilà, on a la barre stabilisatrice. Là. On a celle-là, les billes qui reviennent ici au-dessus. Les billes. Voilà, de ce côté-là, c'est tout, il me semble. On peut même remettre la jante. Voilà, impeccable. Bon, on va de l'autre côté. Alors on a vissé ici, impeccable. On met la billette ici. Voilà, impeccable. L'amortisseur, on va remettre tout de suite aussi. Avec le ressort qui vole comme ça dans la voiture, c'est très beau. C'est très beau. La bille ici. Voilà. Noyau de roue avant. Tac. Le palier. L'essieu. Là maintenant, le disque. Puis la plaque. Ah, voilà. On glisse ici, on met la jante et on va à l'arrière. Voilà, juste voir si... Ah oui, voilà, on est dit... Oh merde, on n'a pas encore mis les silent blocks. Donc la direction s'est réglée. Encore les deux silent blocks qu'il faut remettre et puis après, les deux pièces sont à l'arrière normalement. Le silent block ici.
Voilà. Et l'autre, il est là-bas au fond. Voilà, impeccable. Maintenant, on va aller derrière. Comme ça, on ne voit rien. Ah bah, c'est les c'est plus que c'est cette pièce. Bras de suspension arrière, voilà. Donc on a ça. Et puis le ressort. Voilà. Hop, le silent block qui est là. Puis normalement, ça on peut déjà le retirer. Voilà. On a vite le ressort. Je vais aller voir si on ne peut rien réparer. Alors, ça m'étonnerait. Allez, on tente. 35, bon, ça ne sert pas à grand chose. Bon, on va racheter les pièces. Donc, on a un ressort arrière. Voilà, et là. Bras de suspension, il faudra encore le trouver, voilà il est là. Voilà, celui-là on va le remettre là. Pas oublier de mettre là, c'est un bloc. Puis ici on remet le ressort. Il y avait aussi un couvercle il me semble, je ne sais plus. Ah, si. Voilà, normalement on a tout. Impeccable, on va faire descendre la voiture. Voilà, voilà, on ferme le capot. Et c'est bon. Elle est repartie. Bon, c'est bon, ça n'a pas encore été. C'était pas trop compliqué. Bref, on va se garder les voitures là pour un prochain épisode. Puis d'ici là, ben je vous dis au revoir. Allez, oui, surtout si vous avez des questions ou quelque chose à dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou de me les écrire par Facebook. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu et de mettre un pouce bleu. Allez, salut tout le monde, c'était Max Spider.